Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour notre série Partir de zéro. Donc, pour l'épisode suivant, alors désolé, ça lag un petit peu. Je viens juste de lancer la partie, de lancer la partie pour voilà. Ça lag un petit peu, donc je m'en excuse. On avait, si vous vous souvenez, on avait les véhicules, maintenant on les a plus, on les a vendus. Nous avons, je vais vous montrer là. Vous voyez le compte en banque, nous avons presque 900 000 euros. Pour commencer, on va faire échappe terrain. On va déjà acheter notre ferme. Déjà, notre ferme elle nous coûte quand même un petit billet. Déjà 300 000 euros. 302 000. Voilà. Donc, il doit nous rester, je sais pas combien. Là, il nous reste 500. Le terrain, lui, je crois qu'il a des patates. Je crois qu'il a des patates. Attends. On met patate, voilà. Lui, il a du colza. Colza. Je pense qu'on va faire les deux en colza pour aujourd'hui. Deux en colza. Donc, on va voir. Ça fait 100. 100. On va acheter celui-là déjà. Et voilà. Donc, il nous reste. On a deux champs à nous. Nous avons 111 000 euros, d'accord? Sauf que on va emprunter des sous. On va emprunter des sous-sous, des sous-sous. Là, on a, je crois qu'on est en déficit, je sais plus. On est, je vais mettre partir de zéro, comme ça on aura notre. J'aurai la partie qui sera nommée partir de zéro. Ah, non, pas partir, mais partir de zéro. Partir de. De 0, je crois que c'est l'autre, mais pas grave. Ta, difficile, oui, lente, non, c'est durant, trafic, faible, voilà, on a tout. Donc voilà, on va faire un petit coup de sauvegarde. Si le jeu va bien. Donc voilà, comme ça, si on a un problème de crash de jeu, on verra bien. Il y a eu des nouveaux modes, des nouvelles maps qui sont un petit peu sorties. Je ferai une présentation. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire une présentation, si vous voulez que je fasse une présentation de map sur ma chaîne YouTube. Dites-le-moi dans les commentaires. Donc, j'ai oublié un truc. C'est que, bim, bim, voilà. On va emprunter, j'ai oublié. Donc, comme on est en difficile. On va prendre le max pour l'instant. Voilà. Alors je vais. Attends, hop, je vais retrousser mes manches. Donc voilà. Donc voilà. Alors, voilà, 500 000. On a 600 000 euros. Ça fait quand même un petit billet. Alors, on va s'acheter déjà un tracteur moyen pour commencer. Lui fait le T6, je l'aurais bien pris. Configuration donc, 175. Non, 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 non. On va pas prendre le 6M. Non. Là, c'était combien? Ouais, après, on a du gros. Du gros. De toute façon, on va renouveler nos véhicules, vous inquiétez pas. En mode, on a quoi? Nous avons lui. Nous avons. Bah là, c'est 6M, 6R, 7R. Promis, il y aura un 7R dans la partie. Mais pas aujourd'hui. Celui qui est en mode là. Ouais, non. Lui peut servir en valet de ferme. Un second valet de ferme. Moi, je serais bien parti. On va commencer par partir sur un. Sur un 263. Ouais. On va partir sur un 263, si vous êtes partant. Warrior. Pneu. On va prendre du Michelin.
On va le prendre pneu large. Ah oui, on peut mettre. Ouais, mais bon, il n'y en a pas besoin pour ce qu'on veut tirer. Donc, on achète. Voilà. On verra si on prendra une masse d'ici notre série. On verra bien. On va se prendre une benne. Une benne. Désolé pour les petites notifs qui arrivent aussi. Donc voilà. Parce qu'on a les. Voilà, on a ça, on a ça. J'ai pas envie de prendre du. Alors ce qu'on va faire, on va pas prendre ça. On va se prendre ceci, c'est une 17 000. 17. On va prendre 18 000. Voilà, 18 000. Donc voilà. On va se louer une boîte bête. Et vous savez quoi? On va louer la petite John Deere. On va se la prendre en Michelin. En chenille. Vous savez quoi? On va la prendre en chenille. Une petite location de 15 000 euros. Donc voilà. Alors on va attendre que ça charge un peu. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si le son est bien ou pas. Alors à mon avis, si vous ne plaignez pas, ben, c'est bon. Voilà. On aurait pu l'acheter, mais on va voir ce qu'il y a de mieux en mode pour ce qui est moissonneuse. Parce qu'il y a plein de choses à investir dessus. Il y aura peut-être l'achat d'un autre terrain, peut-être un terrain d'herbe. On verra pour l'instant. Là, c'est les achats qu'on achète. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais l'acheter. Non, je vais la louer. Voilà. Ben, il faut sa barre de coupe. Sa barre de coupe. C'est là, 7 mètres. Ben, la louer. J'ai loué une fois, c'est bon. Et ben une remorque. Une remorque. À mon avis, ça va être là-dedans. Je vais peut-être partir sur celle-ci. Bon. On va la prendre en. Non, c'est du Fendt. Je viens de dire. Voilà, loué. Et voilà nos matos pour l'instant qu'on a. Donc on a deux véhicules d'acheter. Donc, hop. Est-ce qu'il a un lycée? Parce qu'on n'a pas encore lycée. Hein. Quels sont? Bon, il a un klaxon de merde, hein, mais bon. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je ferai une petite vidéo où on achète le matos et terrain. Donc 7. Alors on va voir si les terrains sont mûrs. Parce que j'ai. Voilà. Tac, tac. Non. Il y aura juste avancé le temps. Lui il est prêt, donc aujourd'hui on va commencer. J'avance la remorque, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais avancer comme ça le tracteur. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec le son des véhicules parce que je trouve qu'il est un peu fort pour moi. C'est qu'une location pour l'instant parce qu'on va investir sur des choses. À mon avis, elle va être trop petite. Hop. Bah, de toute façon, je suis sur la sélection de.
Je la mets en arrière. Je pense pas qu'elle va passer. De toute façon, vous aurez les accélérés, vous n'inquiétez pas. Ouais. Non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc là, on va juste amener le véhicule, le matos. Et vous aurez ben, la moisson sur cette série. Non, c'est moi. Non, c'est... Voilà. Ah oui, merde. Ah, punaise. Ah, punaise. Je regarde un truc. Attends. On va essayer un truc. On tente, hein. Non. C'est vrai qu'il faut avancer vers la cabine pour... Dételer la remorque. Je vais essayer de voir si on peut accrocher la barre de coupe avec la remorque. Je l'avais fait sur FS17. On va voir. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc je tourne après la vidéo du site. Normalement je dois accrocher le moment. Non. Bon. Bon. Bon, on va amener déjà la moissonneuse. Oui, je la mets dans ma charrière. Non, vous inquiétez pas. On va prendre le champ. Ben, on va prendre le chemin. Et voilà. Voilà. Le temps que je monte, c'est ce chemin-là. Désolé des coups de lag, c'est que... Vas-y, passe. Alors, les coups de lag, c'est que les nuages passent au-dessus, et c'est pour ça que ça me fait ralentir un peu le PC. Mais c'est juste pour que ça pousse. Elle est très belle, la 560. Dites-moi dans les commentaires comment vous en pensez de la 560. De toute façon, on va la récolter. On va récolter le colza comme ça. Parce que c'est du colza. Oui, j'ai pris le champ. Le colza, c'est ce qui rapporte le plus. Je me rappelle, sur 3 champs, j'ai fait plus de 380 000 euros de vente. Quand vous vendez des bennes à je sais pas combien la tonne, bah 21 tonnes je crois, je sais plus combien, je vais pas vous dire de bêtises, plus de 10 000 je pense. Bon, on va la mettre là, voilà. Mais dites moi dans les commentaires si vous avez des présentations de map, etc. On essayera. Mais ça change d'avoir des vidéos différentes. Je pense qu'on va continuer les vidéos. En route dans le monde, hein, vous inquiétez pas. Moi je passe le premier, désolé. Voilà, et vous aurez aussi du comment ça s'appelle, vous aurez du coup du
Aussi épisode bois, faut que je le fasse tourner aussi, faut que je le tourne, faudrait que je trouve une map déjà, ce qui est bien. Épisode bois, que j'aimerais bien tourner, mais faut que je trouve une belle map que la main. Je vais prendre la même map que la LFD. Hein. De toute façon, on changera de tracteur, vous inquiétez pas. Là, c'est pour l'instant, voilà, j'ai voulu prendre quelque chose, mais tant qu'il n'y a pas de véhicule de mieux, ben, ça restera ça pour l'investissement. Donc voilà. Puis dites-moi par exemple, si vous poserez des questions, ben, de me dire si c'est bien oui ou non ce type d'achat, qu'est-ce qui serait mieux par rapport à qualité prix et tout. Donc voilà. Là, on va chercher la barre de coupe. Et je pense que ça sera bon pour cette vidéo. Bah, c'est pas une vidéo. Là, on fait un petit peu rien du tout, mais vous allez voir, on va faire beaucoup de choses d'ici quelques vidéos. Ce sera pas une vidéo cheatée, mais on changera de map, vous inquiétez pas. Tu me laisses passer maintenant? Oui, bon, j'ai pas dit de monter dessus. Bon, merci. Voilà, ça c'est fait. Je voulais prendre le grand, mais le grand, le problème, c'est qu'il y a des patates. Peut-être que. D'ici là, on prendra. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être mettre de l'herbe, je verrai. Parce que oui. Voilà. Bon, là, on joue roleplay. Hein. Bon, j'ai pas mis les clignotants parce que moi, chez moi, ça bug. Hein. Évidemment qu'on a glissé. Oups, désolé, les petits coups de lag. Alors, elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là, la barre de coupe. C'est mon chef. Qu'on la perde pas en route. Donc voilà. Mais dites-moi, voilà, comme je dis, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait une présentation de map. Je sais sur laquelle je vais faire. Voilà. Je vais voir les maps qui sont bien. Donc il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas, toutes les semaines vous aurez des vidéos, mais ce ne sera pas des vidéos. Présentation de alors attendez, je vais voir un truc. Alors là, ça sauvegarde. C'est pas grave si ça va tout droit dans l'herbe. Pour un sens rapide. Donc voilà. Donc voilà, là aujourd'hui c'est juste on ramène les véhicules. Il y aura plein de choses qui vont arriver, vous inquiétez pas. De toute façon, comme j'ai dit, c'est une série sur 2 ans que j'ai décidé de tourner bah, jusqu'à le prochain farming. Hein. On a le temps encore. Et là, comme on débute et tout, et puis vous aurez peut-être une vidéo, pas cette semaine, mais je pense retourner 2 vidéos. Alors, la barre de coupe, comme elle est comme ça. Comment on va faire? Bah, c'est simple, regarde. Hop. Préparer la moissonneuse. Alors, les locations. Ça va tomber, ça c'est sûr. Alors, on va pas moissonner de nuit. Parce que les agricultures sont pas poussées. Oula, alors. Ça serait bien. Je me mets face. Je vais me mettre prêt à moissonner ce champ. Parce que c'est le champ qui est plus avancé par rapport du deuxième que j'ai acheté. Alors ils sont en causa, mais c'est pour nous faire gagner de l'argent et investir sur du matos. De toute façon, on va renouveler nos véhicules, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors le champ, il est là. Là, ça va être la benne, je crois que j'ai dû taper. Voilà. Alors, on peut pas. Ah non, je peux pas zoomer. C'est vrai que je me trouve tout le temps sur ETS2.
J'ai un bouton pour allumer. Pour allumer. Bah tiens. Je sais, on va se mettre ici. Parce que j'ai un bouton pour allumer les. Pour allumer les. Hop. Pour allumer les. Qu'est-ce que je dis? J'ai un bouton pour zoom. Non, j'ai un bouton qui est désigné pour zoomer. J'ai de la merde aujourd'hui. Et on va prendre la remorque. Voilà. Donc voilà. Donc, ce sera une petite vidéo. Bon, ça sera pas la version. Si je trouve d'autres versions de cette map un peu plus propre, je vous ferai une présentation, mais je pense que d'ici là on aura peut-être changé. Ah oui. Ah oui, ça tombe, il y a les emprunts et tout. Voilà. Il y a combien d'herbes? La mauvaise herbe est 100%. Bon, ça sera pas de qualité, mais au moins on aura gagné un petit peu de sous de ce terrain et de l'autre. Fais voir un petit peu le PDA. Donc lui il est prêt. Lui il est à la deuxième étape de croissance. Voilà. Lui on verra bien. Voilà. Là le but c'est de rembourser notre emprunt. Non, on peut rembourser, mais on est excusez-moi, on a des trucs à investir pour voilà. Donc là il est prêt. Il est prêt, oui. Je vais attendre que ça avance sur le joueur, comme ça on n'aura pas de problème. Voilà. Je pense pas tourner notre épisode, mais donc voilà. Alors, on va attendre un peu. On fait chauffer les machines. Bon. C'est pas grave pour la mauvaise herbe, on s'en fout. De toute façon, ici il va y avoir de la paille, je vais faire des bottes, je sais pas ce que je vais faire comme truc, mais on verra bien. Comme culture, je sais pas. On verra bien. Donc voilà. Donc voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là hein, pour cette vidéo. Je pense que je tournerai la vidéo la semaine prochaine. L'autre. On va fermer tout ça. Donc voilà. Donc nous sur ce, on va se quitter là pour cette vidéo. Voilà, on va faire même une petite. Je vais attendre le jour. Attendre un petit peu. Vous savez, je vais faire la vidéo comme ça. Là. On va faire GS Tagle Fly. Voilà, on va faire ça et on va faire. Là, ça m'a fait la vidéo. Voilà, là on fait. Tac, on fait GS. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais pour avoir ça, ça c'est la console. Comment j'ai fait? J'ai juste changé un truc dans développement, dans game, tout au fond, au diamètre diaphase, j'ai mis tronc. Voilà. Et après, j'ai juste. Là, j'ai tapé les initiales pour aller plus vite. Et. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Donc voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser ça pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Alors, je sais que. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, vous abonner si c'est pas fait comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me suivre dans la description, il y a tout. Voilà, tout ce qui vous concerne. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Voilà, je vais vous laisser là. Et c'est vrai, bon là on n'a pas fait grand chose, on a juste acheté des véhicules. Mais
Mais dans le prochain épisode, vous voyez ce qu'on va faire, du colza pour gagner des sous-sous. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vais vous laisser là. La prochaine vidéo, ce sera sur le soja pour la cure. Voilà, donc la cure. Et ça veut répondre pas. Donc voilà, comme sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo, comme je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure, la prochaine fois ce sera vidéo sur la moisson de colza. En accéléré, oui, vous aurez un accéléré pour ceux qui vont me demander en commentaire si un accéléré, oui, vous aurez un accéléré, vous inquiétez pas. Des deux champs, puis après ça sera bon. Et après, on verra ce qu'on fera. Peut-être qu'on travaillera la terre, on fera d'autres choses, vous verrez bien. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc, moi, je vous dis à très vite.